Bonjour à tous, c'est Aspi, auteur de saga Rebelle et Velasquez. Je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul. Dans cette vidéo, je vais principalement vous présenter les achats que j'ai effectués lors du salon du livre de Blenny Min. Je vais commencer par vous présenter Obsession de Daniel Barak. Donc il s'agit en fait d'un polar ésotérique qui me tentait énormément et je remercie l'auteur pour m'avoir offert ce livre. Je vais de toute façon vous mettre tous les liens vers la page de l'auteur, les maisons d'édition ainsi que le livre en barre d'infos. Je vous présente ensuite donc Contre vents et marées de Marie-Isabelle Tasset. Il s'agit là du deuxième livre de l'auteur qui est publié chez Acrodacro Livres. Donc il s'agit d'une histoire qui se déroule à l'aube de la Première Guerre mondiale. Il me tarde de découvrir cette histoire, évidemment tous les liens sont de nouveau en barre d'infos. Mes deux acquisitions suivantes sont du même auteur, Anya Anandi. Donc il s'agit de son premier ouvrage Sur les rails de la liberté, qui est écrit sous forme d'un journal intime. Et j'ai également acquis donc son recueil de poésie, qui est son dernier ouvrage en date. J'ai profité du salon Blenny Min pour récupérer donc l'ouvrage pour lequel j'avais participé sur le projet Ulule, qui s'appelle Les aventures du capitaine Jack Blaireau de Pierre-Armand Cajot, publié aux éditions Le Monde des Étoiles dans la collection Graines de Lune. Donc il s'agit d'un roman pour enfants, donc les illustrations ont été réalisées par Philippe Sombreval. De toute façon, hein, comme pour les autres romans, je vous mettrai tous les liens de l'illustrateur, de l'auteur, de la maison d'édition en barre d'infos. Je termine ce book haul en vous présentant donc le premier tome de la saga Nectanomicon de Manon Elisabeth Dongremont. Donc j'avais acheté ce livre lors de sa présentation, enfin lors de sa soirée de lancement organisée par l'auteur. Donc c'est un livre qui est publié aux éditions Livre Book dans la collection Fantasy. Donc il s'agit de la saison 1. Je ne sais pas exactement quand sortiront les autres saisons ou combien il y en aura, mais de toute façon n'hésitez pas à contacter l'auteur si cela vous intéresse pour avoir plus d'informations. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et que je vous aurai donné quelques idées pour vos futurs achats. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne YouTube, d'autres posts sur ma page Facebook et d'autres articles sur le blog.